Mars Genesis. Alors, créature imposante, accrochez vos ceintures, parce que là, c'est du très lourd. Alors là, je pense que celle-là, elle est vraiment costaud. Cette vidéo-là, elle va être très costaud. Regardez bien les images. C'est un truc de dingue. Alors, autant commencer tout de suite. Créature imposante, Mars Genesis de Andreas. NASA Sol 509. Pour ceux qui cherchaient l'Arca Eoptéryx, j'ai entouré sa position, mais ce qui nous intéresse se trouve tout au fond du paysage. La silhouette d'une souris géante. Une souris géante, ça ne fait pas sérieux. Je me suis donc intéressé à ce soi-disant rongeur. Il se trouve que c'est bien géant, mais ce que l'on pensait être des oreilles est en fait une carapace. En fait, on se trouve plutôt en présence d'une espèce de dinosaure semblable au Protocératops, mais comme protégé d'une armure plus épaisse, peut-être une protection contre les particules nocives du soleil. En tout cas, si c'est malgré tout une souris, elle est munie d'une carapace de type Protocératops. Sol 509 Protocératops. Quoi que de plus imposant qu'un dinosaure comme le Spinosaurus, dont la taille est estimée entre 16 et 18 mètres pour un poids de 11 tonnes. C'est pourtant ce qui laisserait entrevoir Curiosity en sol 658, avec cette forme qui, prise de très loin, ressemble à un immense dinosaure. Plus le Spinosaur, c'est mon préféré, c'est ce qu'on voit dans le Jurassic Park, hein, le 3, donc bon. C'est dans le seul film qu'on voit. Hein, bon. C'est un autre sujet, mais bon. Sol 658. Ouais, là aussi, hein, il y a quelque chose d'étrange. Image détourée de Spinosaurus en sol 658. L'animal se trouve au fond vers le centre de l'image. J'avoue qu'il est très difficile à repérer de la qualité du cliché. Comme la plupart se dégrade aussitôt qu'on en effectue un agrandissement. Ceci dit, ces formes d'érosion sont réelles et chacun peut le vérifier. Parfois au prix d'efforts visuels, en suivant les liens des sources originelles que l'on retrouve en fin d'ouvrage, avec le cliché suivant, nous retrouvons des animaux plus contemporains et ceux que l'on retrouve actuellement sur Terre. Pour commencer, une sorte de créature à rapprocher des ours en sol 1136. Le cliché est comme souvent de très mauvaise qualité et celui-ci est particulièrement exécrable. Toujours étonnant dans un rover dans la mission à côté. Plus de 2 milliards d'euros, oui c'est vrai. Du coup, l'amélioration informatique semble plus que nécessaire si on veut se représenter la chose. Parler d'érosion avec une telle image semble facile. Malgré tout, l'animal se détache du paysage. Alors là, c'est Sol 1136, comme un ours polaire. Hein. Oui, c'est toujours sur Mars, hein, tout va bien. Lors du chapitre La vie pétrifiée, on a vu sur un cliché en sol 1312 ce qui s'apparente à une mâchoire de crocodile. Sur le même cliché, cette fois flouté, mais au centre de l'image, on distingue cette créature à carapace qui rappelle une tortue alligator. En sol 1312, tortue alligator. C'est magnifique. Sur ce décliché sorti de la série Sol 1499, alors là regardez bien parce que le lézard il tourne sa tête en plus, donc c'est pas un hasard, hein, c'est pas possible. Bon, on remarque non seulement une forme rappelant un reptile de type iguane, mais qu'entre deux images l'animal a changé de posture. Oui, en plus la tête elle a changé de posture sur les deux clichés différents, ce qui est pratiquement impossible. Hein, ça peut pas être quelque chose de voilà de naturel, on va dire, ou le pareidolisme, non. Là, non, c'est pas l'appareil d'Oli ou une image de je sais pas quoi, c'est pas possible. Voilà. En sol 1499, image du bas iguane. Vous allez voir que la posture de la tête, elle change. Ça, c'est sûr. Bon. Il est toujours étonnant de voir de simples roches se mouvoir de la sorte, mais allons découvrir que d'autres érosions ont l'incroyable faculté de se déplacer. Pour en revenir à la souris géante, par contre, en sol 710, ce n'est peut-être pas une souris, mais un rongeur rappelant une espèce de castor géant, voilà, qui semble sortir la tête d'une grotte. Castor, NASA, hein, sol 710. Ouais, c'est pas mal non plus celle-là. Mais celle d'avant, l'iguane, je trouve qu'elle est bien plus impressionnante. Je ne sais pas si c'est le cas ici ou une simple roche en ayant l'apparence, mais sur Terre, le Castoreudis udis. Il y a eu en Zis, était une espèce de castor géant mesurant plus de 3 mètres de long, oui, qui a vécu en Amérique du Nord. Le Castoroidus obionensis se serait éteint il y a environ 12 000 ans à la fin du Pléistocène, période marquée par les récentes glaciations.
Quant au Rover Opportunity, ce cliché de la série Sol 3954, à quoi de laisser perplexe avec cette fois la silhouette d'une espèce de mammifère carnivore de la famille des félidés. Il paraît plus robuste qu'un lion avec une sorte de protection anti-radiation autour des yeux. Regardez bien, accrochez vos ceintures. Je vous lis tout de suite, 3954. Là, c'est très fort. Très très fort. On dirait un lion ou une sorte de taureau, on ne sait pas. Moi, j'aurais dit un taureau, lion, taureau, enfin bref. Lion, hein, lion. Sol 3954. Et nous sommes toujours sur Mars. Hein, ok bon. Avec Sol 1822, Curiosity montre également un félin extrêmement pixelisé. Le cliché laisse apparaître non seulement une forme féline, mais à son ombre projetée sur la roche. En Sol 1822. Sol 1822, léopard. Hein. Bien que la qualité des images soit exécrable, surtout pour des robots coûtant des milliards de dollars, toutes ces formes ne peuvent en aucun cas être l'unique fruit de nos imaginations. Ça, c'est vrai. Ou alors, il y a beaucoup de gens à faire interner, étant donné que tous ceux à qui j'ai montré ces clichés ont reconnu les formes qu'ils contenaient. Ou bien pareidolie collective. Ce qui fait quand même beaucoup de pareidolie collective. Hein. Cela paraît peu probable quand on sait que la pareidolie est une sorte d'illusion d'optique consistant à associer un stimulus visuel informe et ambigu, un élément clair et identifiable. Mais à la différence des illusions d'optique qui découlent des lois universelles de la perception humaine, chacun peut dans le cas des pareidolies voir une chose différente. Alors que dans le cas de l'érosion martienne, presque à chaque fois les gens reconnaissent la même chose. Pour preuve, le buzz sur la toile, alors regardez bien ça, c'est très lourd aussi. C'est peut-être un des plus hauts. Le buzz sur la toile ou même les médias parlent par exemple d'une souris géante, mais aucun n'y voit un visage ou autre chose et c'est pareil dans la plupart des cas. Oui, mais là, c'est les médias et tout ça, c'est même pas peine d'en parler. Bon, maintenant, je n'inventerai rien en disant que, comme toujours, la NASA parle de cailloux ou de pareidolie, ce qui m'oblige à pousser les investigations. En général, ce genre de découverte est aussitôt démenti et porté en ridicule par la plupart des médias. Bien sûr, sans avoir si une seule de ces choses est bien réelle. Bon, moi, que je me trompe, regardez bien, là aussi, c'est juste incroyable, on a un gorille, mais le problème, c'est qu'il bouge sa tête. Voilà. Ouais, donc là, c'est pas possible, pareidolie, d'accord? Mais à moins que je me trompe, il semblerait du moins officiellement que personne n'ait pu aller vérifier sur place. On peut se demander sur quoi aussi bien la NASA que les médias se basent-ils pour être aussi catégoriques sans même laisser place au doute. Aurait-il l'esprit sclérosé à ce point, à moins qu'il sache? Je continue sur les pages suivantes. Une créature sur Mars avec son petit, près du rover. Oui, avec son petit. Sur cette série de 4 images Sol 87 de janvier 2016, on remarquera que les créatures ne sont pas statiques, comme cela devait être le cas s'il s'agissait de roches. On remarque surtout un mouvement de la tête et des oreilles du petit, alors que le rover n'a pas changé d'angle de prise de vue et que le cliché se suive. Donc on a un énorme problème. Hein. Ici, les changements sont évidents. Le petit a tourné la tête. Oui, ça c'est vrai. Alors que le plus gros que cela, selon toute ressemblance, et le parent a fait un léger mouvement en avant vers sa progéniture. Parce que lui aussi bouge la tête. Incroyable de voir des roches mimer ainsi de vivant. Les animaux ont changé de posture. Bienvenue sur Mars. Hein. Il bouge encore et même si la différence avec l'image du bas est faible, le mouvement est réel. La position et le corps massif ressemblent à s'y méprendre à un gorille. Sorte de gorille géant, j'imagine. Enfin, une sorte de gorille. Hein. Donc, en tout cas, ils bougent leur tête tous les deux, que ce soit la progéniture, le petit, ou une sorte d'adulte, le parent. Hein. D'accord ? Et certains que la NASA s'y intéresse, étant donné que ces clichés, on voit les traces du rover Spirit allant jusqu'aux animaux. Oui, vous allez voir. Vous allez voir, en plus, au loin, c'est quand même incroyable. Sol 87 avec la NASA, rapprochement, ça j'ai fait les photos. Hein. Si ce ne sont que des roches, alors celle-ci nous compta de mimer la vis. Elles sont mouvantes. Et dommage que le rover soit allé aussi près sans prendre le cliché. N'importe qui serait assez curieux pour prendre une formation aussi atypique en gros plan. Mais non, ce qui intéresse la NASA, c'est faire des trous dans les roches, bien sûr. Personne n'en est dupe. Si le rover est allé jusqu'à leur hauteur, c'est bien que la NASA leur ait tiré le portrait. Hein. Oui, comme par hasard, il reste dessus, mais après, bon. En parcourant le panoramique Pi à 23 971, on tombe sur cet autre gorille. On leur dirait plutôt une statue. Je dirais que ça bouge pas du tout, mais on dirait vraiment une tête de gorille, c'est sûr, mais c'est une statue pour moi. Mais bon. Gorille Pi à 23 971. Histoire de rester dans des roches érodées représentant des primates, voici la silhouette d'un singe sorti de Sol 1097.
Et là, c'est très fort aussi. En sol 1097, un singe. Carrément. Et je coupe là. Pas très long, mais les images parlent d'elles-mêmes. Et en plus, elles sont juste incroyables. Créature imposante, c'est juste incroyable. Ce passage-là, pour moi, c'est vraiment une sorte de lion, de gorille, d'ours. Il y a de tout. Spinosaure. Créature imposante. Voilà, je coupe là. Merci. À bientôt. Portez-vous bien. À plus. Et la prochaine fois, j'essaierai de lire. Ah, il y a les chimères. Alors, les chimères, c'est très fort aussi. Oui, je pense que je dirais les chimères. C'est du costaud aussi. Voilà. Dans les airs aussi. Oui, parce qu'il y a des aigles qui volent. Hein, dans les airs. Hein, Mars, d'accord? Donc, oui, ça aussi. Voilà, c'est magnifique. Je coupe là. Merci. À plus. À bientôt.